bien tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Starfield. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, ça serait quand même marrant que ce soit des vrais tableaux, ça. Qui est des vrais tableaux, je veux dire. Des artistes déjà connus, mais je doute qu'ils aient fait ça parce qu'ils n'auraient pas les droits, les droits d'utilisation de l'image. Donc, le truc qu'on tombe sur un Van Gogh, quoi. Bref. Dernier épisode, j'ai tenté d'augmenter les armes et armures. J'ai effectivement pu mettre un mod sur une des armures, si je me souviens bien. Et du coup, j'ai à peu près compris le principe. J'ai aussi vu qu'il fallait qu'on augmente certains niveaux de compétences pour pouvoir améliorer et rajouter certains modes d'armes et d'armures. Donc du coup, tout ça, c'est quelque chose qui demande de l'investissement personnel. Ensuite, j'ai dit que j'allais acheter à nouveau des trucs à droite, à gauche, au niveau des ressources, par exemple. Ça doit être un vaisseau. Justement pour me permettre d'avoir ce qu'il faut pour des modifs. Ok. Pour me permettre d'avoir ce qu'il faut pour des modifs et du coup on verra un petit peu ce que ça nous réserve à nouveau les popoches des commerçants. Heureux, bonjour. Nous offrons les meilleurs soins de nous. Oui. Bienvenue chez Relly. Je veux acheter des trucs. Nous avons tous. Alors, soin. Est-ce qu'il y a des cœurs plus? Il y a des cœurs plus. Je vais t'en acheter 5. Des antibiotiques, je vais t'en acheter plusieurs. Des kits de soins. Je t'en avais pas déjà acheté plein, toi? Remède miracle. De la pénicilline, j'ai t'en acheté aussi. Ah, des laxatifs, lol. Des injecteurs. Soigne les blessures cérébrales, les commotions, les coups de chaleur, les hernies, l'hypothermie, les dégâts respiratoires, l'empoisonnement et les radiations. Bah, dis donc. Puis l'énergie pour les hernies, j'aurais bien aimé avoir ça. Et moi, si je te revends des trucs. J'ai combien de kits de soins? 27. Ah oui. Ah oui, effectivement. Donc, ouais, là j'ai la dose, bah, c'est chouette. Prenez soin de vous. Je pensais pas qu'en venant si tôt. Ah, mais peut-être parce que j'ai attendu pour le marchand au dernier épisode et du coup, ça lui a fait revenir dans les stocks. Bon, bah parfait. D'ailleurs, en parlant de marchand, on va y retourner parce que lui, forcément, il a du stuff. C'est là-bas, de l'autre côté du bâtiment. J'ai compris. Voilà. J'ai joué avec mon oxygène pour pas que j'ai tout à grailler. Et hop là, voilà. Comme ça, je suis pas à court d'oxygène. Hop, une petite sauvegarde. Plaisir de vous annoncer que nos réserves sont maintenues à 90% ou plus. Parfait. Nous aurons bienvenue chez. Alors, qu'est-ce que tu as à vendre? Donc là, plutôt, ça serait dans les ressources. Il y a de quoi faire. Hein. Ah, c'est les analgésiques, en fait. Ben là, je vais faire le plein. Hein. Bio-inhibiteur. Ah ouais, il y a de quoi faire. Waouh. La grande majorité coûte pas grand chose en fait. On va donner plein de choses à notre allié. On a quand même perdu un petit peu de crédit là. Faut que je fasse gaffe aussi.
truc qui coûte cher quand même. Pas grave, on va tout acheter. Pas grave pour les crédits. Il y aura la dose comme ça. Et on y retourne. J'ai dépensé quasiment 30 000 crédits. Alors, Sarah. Nous devons voir John Twall, si vous voulez me faire part. Sarah, j'ai des trucs à te donner. Inventaire, voilà. Hop. Ressources. Stocker toutes les ressources. Tant qu'à faire. Merde. Comment ça est à son maximum? On peut rien transporter de plus? Bon, on va galérer alors. On se voit plus tard. Bon, on va y aller à pied. Ça va nous prendre deux petites minutes, mais bon, si c'est nécessaire. Le tout, c'est qu'on puisse la déposer. Vous savez pourquoi la flotte écarlate a l'air d'être partout? Marcher sur la rambarde ou sur le rebord là, non? Ah ouais. Bon, bah chouette. Voilà. On va faire attention quand même. Hein. Waouh. Faut être hyper vigilant si je veux pas commencer à m'étouffer là. Merde. Ouh. Ah, je l'ai échappé belle là. Un peu plus et je commence à perdre des points de vie. Ouais, donc le poids de Sarah est vraiment limité en vrai. Hein. Je pensais pas que ça serait à ce point là. Hein. L'escalier qui est en face et on est à genre 100 mètres de la loge. Genre j'ai réussi à grimper dans l'arbre. Ouh. Bonjour les amis. Avant j'étais actuaire. Et maintenant, voilà où j'en suis. Ah, ça c'est le nouveau, avant j'étais aventurier comme vous. Nous voilà à la loge. Ah, bah la première raccourci elle, visiblement. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va descendre en contrebas, et on va améliorer un petit peu ce qu'on a. S'il y a eu de nouvelles découvertes en notre absence. Voilà, alors, établi d'armes. Ah non, pas établi d'armes, je vais pas commencer par les armes. Je vais commencer par ça. Ok. Donc là, j'ai pas ce qu'il faut, le truc est réglé. Là, j'ai pas ce qu'il faut, mais en tout cas, une bonne partie. De toute façon, il faudrait les modules de casque 3. Pareil pour ça. Ah, mais ça, on l'a déjà fait du coup, voilà. Réserve d'oxygène, je pourrais l'installer par exemple. Sauf que moi, c'est capacité supérieure que j'aurais voulu mettre. Médecine, je pourrais le mettre par exemple. Pour l'instant. Mais je suis obligé de soigner des points de vie supplémentaires et graisse plus rapidement. Et pourquoi je ne peux pas du coup? Mode de sac 1-0%. Ah oui, donc ça lui-même, c'est un mode de. Ok. Voilà, galère. Ah ouais, donc en fait je peux vraiment rien faire avec ça non plus quoi.
Niveau 2 et 3. Niveau 2 et 3. Niveau 2 et 3. Ouais, d'accord, ok. Donc en gros, je peux rien faire de ce côté-là. Bon, on va utiliser les, le laboratoire de recherche. Hein. Je vais avoir des trucs à améliorer. Genre, par exemple, en équipement. Suivre le projet. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Putain, c'est infernal. Il me faut du tungstène, des cosmétiques et des polymères. Il me semblait que j'avais le tungstène, les cosmétiques, tout ça. Il me semblait que j'avais déjà tout. Donc, il me faudra ça derrière. En vrai, non, j'ai pas. C'est en gros dans le coffre en fait. Et armement. Matériaux dispo. Là, ça va mettre matériaux dispo aussi, je suppose. Ouais, voilà, en fait, les matériaux sont disponibles. C'est juste qu'ils sont dans mon coffre, quoi. Donc, il faudra que je lance les trois. Ah, ça, par exemple, le chlorosidlan, je les ai pas. Par contre, en équipement. Ouais, tous les matériaux sont dispo. Faut juste que j'aille les chercher à l'étage. Comme ça, je pourrais mettre les modules de casque et de combinaison et de sac. Où là aussi, j'ai tout ce qu'il faut. Et là aussi, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, bah, on va prendre quelques minutes supplémentaires. On va aller chercher tout ça, hein. C'est dommage de se priver d'une amélioration de notre stuff. Je suis à votre service, capitaine. Merde. Ah bah super, tiens. Oui, je veux juste que mon jetpack il s'améliore. J'aurais dû prendre l'escalier, ça aurait été plus simple. Voilà. Et j'ai perdu des points de vie en plus, magnifique. Donc là on va s'alourdir encore plus, sinon c'est pas drôle. Ressources, voilà, et là on va tout prendre. RB. Putain, je me pourquoi vous embêtez à transporter tous ces trucs? Parce que tu peux pas le faire pour moi. Te va comme explication ou t'en fous une autre? Voilà. On perd du temps, mais en fait c'est pas vraiment du temps perdu. Hein. J'espère ça permet que d'avancer. Vous satisfont pleinement. Et oui, je sais, je pourrais m'éviter de m'alourdir en prenant directement les composants, mais en faisant ça, du coup, ça m'empêcherait réellement de d'avancer, parce qu'à chaque fois, il me faut 15 000 trucs différents. Enfin bref, c'est chiant, quoi. Bref, laboratoire de recherche. Alors, équipement. Comment ça? Ben, j'ai tout. Matériaux dispo. Bah oui, matériaux dispo, je les ai avec moi. Non? Je comprends pas. Même le cuivre, je suis censé en avoir plein. C'est quoi ce merdier? Attendez, peut-être que je me lève de là. Voilà. Ah voilà. Ah, c'est peut-être dans divers. Bah non, de l'aluminium. Me dis pas que j'ai pas de cuivre. Bah si, j'ai du cuivre. Pourquoi ils considèrent que j'en ai pas? Il y a un truc que je comprends pas là-dedans alors. Là, si je vais dans l'équipement. Ça là. Ah, voilà, ok. Donc là, je peux mettre ça. Parfait. Donc ça c'est fait. Maintenant je peux faire pour les... Ah non, je peux pas faire pour les modes de combinaison. Je suis obligé d'augmenter les modes de casque d'abord. Pourquoi c'est verrouillé? Combinaison spatiale rang 1. Ah d'accord, faut d'abord que j'augmente le truc combinaison spatiale dans le... Ça c'est chiant par contre. En armement. Parfait.
parfait. Ok. Et après, tout le reste, c'est du verrouillé. Bon, déjà, ça fait quelques améliorations. Donc, effectivement, il faudrait que j'aille là-dedans et que je mette un truc dans les combinaisons spatiales. Sauf que je ne peux pas pour l'instant. Faut d'abord, je débloque 4 points dedans pour débloquer ça, en fait. Oh, c'est chiant. Ça, faudrait que je déverrouille encore un truc. Les systèmes de ciblage, faudrait que je les améliore. Balistique, d'accord, j'ai compris. Il y a quoi là-dedans? Haltérophilie, je pourrais l'augmenter effectivement pour améliorer ça en fait. Obligé de mettre un point dans celui-là, dans science, et dans science j'ai quoi du coup? Ajoute un niveau de zoom optionnel au scanner portable et augmente la distance de scan de 20 mètres. Les ressources nécessaires à la fabrication d'objets de projets de recherche sont réduites de 10%. Les kits de soins qui restaurent la santé plus vite et plus. Je récolte davantage de ressources non organiques et peu communes. Les portraits des astroportations améliorent de 15%. On va d'abord mettre celui-là. Donc en fait il faut que je monte déjà d'un certain nombre de niveaux quoi. Eh ben. Ça c'est pratique. C'est très pratique. Eh ben, j'ai hâte de monter le niveau en fait. j'ai hâte. Bon allez, on va reposer toutes nos merdouilles. Ah, attendez, ben non, pas forcément. Je peux peut-être même améliorer mes armes actuellement. Par exemple, si je prends. La graine d'aile, la découpeuse, il faudrait un arme d'auto qui fait plus de dégâts, ça pourrait être celle-là par exemple, si quelqu'un avait une qui était bien meilleure, celle-là est pas mal. Mais il y a celle-là aussi. On peut mettre un canon long par exemple. Canon stabilisant. En fait, je peux tout construire là. Sauf ça. Et ça. Et ça. Donc en fait, je suis obligé de mettre un canon long. Si vous portez trop de choses, vous devriez commencer à faire des priorités. Bah, tu me laisses tranquille, non? Ça, je peux l'améliorer aussi. Voilà. La lunette, on peut mettre une lunette comme ça, au lieu de mettre une lunette courte. Ah non, je peux mettre ça directement. Ou ça. Ah non, j'ai pas ça en fait. Problème réglé. Là, je pourrais mettre un compensateur, effectivement, ou un silencieux. Réduit considérablement l'intensité acoustique, améliore la précision, on dépend de la portée. Là, c'est quoi? C'est améliorer la stabilité et la pression de tir au jet pour une réduction de la précision à grande distance. Le mieux, c'est de mettre silencieux du coup. Ah, mais je peux pas. Et lui non plus. Bah, on va mettre ça du coup. Voilà. Poignée et crosse. Bah, là, je ne peux pas. Mode de poignée et crosse 1, 100%. Bah, là, j'ai l'impression de vrai. C'est juste qu'il manque du titane en fait. C'est ça qui est dommage. Bah, là, je n'ai pas le droit là-dedans pour l'instant. Ça non plus, je n'y ai pas droit. Ça, les modes de culasse, j'ai pas amélioré. Ok. Donc on a fait ça. On va passer à une autre arme maintenant. C'est vrai que lui, il est ultra sympa quand même. On va mettre un petit viseur laser. Voilà. Ça, j'ai pas le droit. Petit chargeur, je vois pas l'intérêt pour l'instant. Grande puissance, pour l'instant ça j'ai droit à rien. On va laisser ça. Lui là. On va mettre un canon long. Ouais, carrément, ouais. On va mettre un canon long. On va mettre le viseur laser aussi par la même occasion. Un petit compensateur.
là. Là, je peux rien mettre. Là non plus. Ah, attendez. C'est quoi ça? D'accord, je vois. Et apparence, on s'en fout. Ça là, du coup, je l'ai amélioré. La découpeuse, on peut l'améliorer? Non, on peut pas. Voilà, on a mis un skin différent pour ça. Le soudeur, je suppose qu'on peut mettre autre chose. Aucun mode. Merde. Et l'apparence, on s'en fout. Ok. Ça c'est sympa aussi, mais j'ai peut-être mieux. Ça c'est des munitions énergétiques. Qu'est-ce que je peux faire? Un petit viseur laser dessus, effectivement. Je peux rien mettre. Ça non plus. Une batterie tactique, chargeur plus léger. Qui augmente la vitesse de visée et de rechargement. Sinon une grande batterie je peux pas mettre. Et petite batterie, bah du coup ça serait dommage. Ça serait de mettre des bâtons dans les roues. Donc on va mettre une batterie tactique. Voilà. Et garde-main, je peux pas en mettre. Ah si, je peux mettre protection retirée. Allez, vas-y, on fait ça. Là je peux rien mettre. Là non plus. Oh, l'apparence constellation. Chouette. Ça c'est avec le... avec le fait que j'ai eu l'édition constellation du jeu. On peut mettre un canon standard sur lui, mais je préfère avoir le canon long. On peut rajouter un petit viseur laser. Tant qu'à faire. Non. Un petit compensateur des familles. C'est quoi ça? Chargeur standard. Ok. Chargeur tactique. Il perdrait en dégâts? Ah oui, il perdrait pas mal en dégâts, oui. De toute façon, c'est un sniper, donc on va pas faire en sorte de viser plus vite avec. On s'en fout, c'est pas le but. Le pistolet comme ça. On va garder le silencieux. Peut-être mettre le chargeur tactique. Ah non, on va garder le grand chargeur plutôt. Oui, on va mettre le viseur laser. Là. Ok. Ah, j'avais pas fini. J'avais pas fini. Désolé, hein, ça prend du temps, mais c'est nécessaire, je vous le dis. C'est sûr que c'est nécessaire. non, pas de canon court pour lui. Un petit viseur laser aussi. Allez hop, hein, on se fait plaisir. Hein. Pas de raison de s'empêcher. Le compensateur, je peux pas, les silencieux, je peux pas, j'ai pas les niveaux pour, on dirait. Ah non, c'est qu'il y a autre chose, non? Le compensateur est déjà actuellement installé. Ok. Là, ça serait pour mettre des plombs, ce qui ferait beaucoup plus de dégâts. Oh, un truc avec grande puissance, là. Oh, en plus les plombs. Tu massacrerais tout le monde comme ça. Ça, là, ça va être marrant, tiens. Canon long. Bah ouais, carrément. Le viseur laser en plus, allez hop. Ok. Nid frelon. Oh, sympa. Et donc lui, on va mettre un petit compensateur ou un silencieux. Ah non, bah de toute façon je vais mettre le compensateur. Voilà, poignée cross, on peut pas modifier. Là, je pourrais mettre un chargeur tactique. Non, ouais, ouais, un petit chargeur tactique, ça pourrait être pas mal. Voilà. En interne, je peux en mettre de plus. Et en apparence, c'est bloqué. Ok, bah on a fait un peu le tour, là. Sympa ? Sympa, sympa. On a amélioré les armures aussi, je crois bien. Attendez, je vais vérifier quand même. Je vais être sûr qu'on n'ait pas raté de trucs. Donc là, c'est sûr, je peux rien mettre.
Ah, je pourrais mettre la réserve d'oxygène pour l'instant, mais c'est vrai que moi c'est ça qui m'intéresse. On va mettre la réserve d'oxygène pour l'instant. Je suis impressionné. Ok. Protection balistique. Et les poches, je peux pas effectivement les mettre. C'est dommage. Ok. Et il y a quoi d'autre que je peux faire encore? Établi industriel. Ah, on peut construire des choses qui me manquent, c'est ça? Effectivement, on peut. Un certain nombre de trucs, en tout cas. Ok, je commence à comprendre un peu le système de tout ça. Bon, bah c'est chouette. On ira reposer toutes les merdouilles qu'on a sur nous. Là, actuellement, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais augmenter dans le laboratoire de recherche, je crois. Si pharmacologie. Ça, j'ai pas ça. Tétrafluorure. Ok. Et ça, malheureusement, voilà. Ça, je peux pas l'augmenter. Et boissons et alimentation. Cuisine du vieux monde. Élaboration de boissons. Et ça, ok. Bon, ça peut attendre un peu ça. Ok, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, une petite sauvegarde des familles, parce qu'on a quand même bien bossé, moi, je trouve. Et bon, ça va s'arrêter là, tout simplement. Voilà, le laboratoire pharmaceutique, on jettera un œil juste après, mais j'ai déjà fait le tour, je crois. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, le commenter, le liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, tchatons, c'était Looping. Bye bye.